La pluie et avec le vent là, on dirait un cyclone quoi. Ça me rappelle la Réunion. Ah, c'est ouf! C'est ouf! Voilà, j'ai pris quelques jours vraiment de repos et ça m'a fait du bien et j'ai décidé de faire au moins une fois par jour une activité qui me fait plaisir et qui n'a rien à voir avec le livre. Et en fait, je me rends compte que toutes les petites choses, les petites activités qui me font du bien, c'est tout ce qui va avoir tout ce qui va être décorer ma maison, faire bien mon intérieur et le rendre le plus cosy, le plus cocooning possible. Un peu comme si je préparais mon nid pour l'hiver. J'ai un peu ce sentiment-là de profiter des beaux jours et que t'aies l'énergie pour que voilà, pour qu'à l'automne et à l'hiver, tu puisses mieux profiter de ton intérieur. Là, cet après-midi, je m'attaque à un projet que j'ai depuis un petit moment. Ça me trottait dans la tête et là, j'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour le mener à bien. J'ai acheté une très grande toile, elle fait 1m20 je crois, 1m30, bon bref, je vais vous montrer. J'ai acheté une toile à action parce que je voulais que ce soit le moins cher possible, comme ça si je me loupe, si je me loupe, il n'y a pas trop de problèmes. Donc je vais essayer de tout filmer, ça va pas être facile mais je vais essayer et j'espère surtout que ça va rendre bien, comme ça ça décorera notre cheminée d'amour et notre cozy fireplace. Voilà, bon allez, j'essaie de vous filmer tout ça, je ne garantis rien et surtout je ne garantis pas le résultat final, donc au pire ce sera un tuto de ce qu'il ne faut pas faire. J'ai fait le brouillon de l'écriture que j'aimerais, enfin, la calligraphie que j'aimerais, et donc là je vais le reporter sur ma toile. Comme elle est grande, je vais essayer de faire donc une marge en bas, en haut, sur les côtés, qui soit à peu près la même pour que ce soit bien centré. Et ensuite, crayon, gomme, et je vais essayer de reporter mon écriture dessus. Now that I've worn out, the world, I'm on my knees in fascination, looking through the night. I wrote the pain down, got off and looked up, looked into your eyes, the loss
open windows all around. My dark heart lit up the skies. Now that I've worn out the world, I'm on my knees in fascination, looking through the night, and the moon's never seen me before, but I'm reflecting light. Daniel, on va où? On va donner de manger aux poneys. Aux poneys. On leur a acheté des gâteaux qu'ils aiment à la pomme. On y va? Ouais. Allez, on va voir les poneys. Ouais. Alors, un froufrou. Et alors, Nook, j'en ai plus, ma biche. Oh, ma chérie, j'en ai plus. Mais non, j'en ai plus. Doria, la prochaine fois, d'accord? La prochaine fois. Un froufrou. Mon vu. On va lire mes beautés. La prochaine fois, promis. D'accord? Prochaine. Prochaine, 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 prochaine. Prochaine, 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 prochaine. J'ai envie de l'herbe. Et pop, toi. Alors? Je peux te donner de l'herbe, peut-être. Oh, mais ils en ont de l'herbe, mon cœur. On leur dit bon après-midi? À plus, les loulous. Oh. Ouais, je te donne. Allez, viens. On y va, mon cœur. Attends, je veux dire un truc pour les poneys. Les poneys, on peut donner des autres gâteaux. Tu peux t'en faire. Ah pardon, tu leur parles tout seul, d'accord. Ok, je m'en vais. On peut donner des gâteaux. Non, mais il n'en a plus. Juste donner de l'herbe. Attention. Non, 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 ne casse pas l'herbe. Allez, viens, on y va. À demain, les poneys. À demain, les doudous. T'as ramassé là? Non, je veux pas. Toutes les fleurs là, c'est des murs. D'ailleurs, ça bourdonne là. Ramasser ça par contre, c'est bien. Ouais, un oiseau.
c'est la petite interlude de l'après-midi. Ok, oui, pop. Après, ils me suivent jusqu'à la maison, en général. Et maintenant, on retourne travailler. Parce que j'en ai du travail. Je m'amuse, mais... C'est un peu le petit rituel. De donner les petits gâteaux à la pop. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était là où ils avaient fait le foin, c'est le champ devant la maison. C'est un poussière. Il y a plein de rapaces. On dirait qu'ils sont petits comme ça, mais des fois ils descendent, ils sont énormes. On retourne dans le terrier. Dans mon petit terrier. Mon petit terrier secret. J'ai un peu l'impression qu'on habite dans un trou de hobbit. Parce qu'en fait ici toutes les maisons sont grandes, pointues, elles ont des quasiment toutes hein, des étages. Et nous on est dans une des rares maisons qui est toute plate. Bon, on l'aime trop hein, mais ça fait très trou de hobbit. En plus on est dans un cul-de-sac. Donc comme ça qu'on aurait dû l'appeler la maison. Peut-être pas le terrier. On remarque ça fait très terrier aussi. Je m'apprête à retourner travailler sur deux sujets très importants du livre. Et en fait, je voulais partager un petit quelque chose avec vous. En fait, on a contacté donc, plusieurs imprimeurs avec Kay. Donc, on a eu plusieurs retours, certains très positifs, certains négatifs. Donc, tous ces imprimeurs, donc il faut savoir qu'en fait, au début, on était parti dans l'idée de... dans l'idéal du français... au moins cher possible. C'est vrai que forcément en fait l'impression la réalisation d'un livre, c'est quand même le coût, enfin le pôle le plus important. Donc forcément le moins cher possible, et en le moins cher possible pour qu'on puisse le vendre le moins cher possible, mais surtout avoir un maximum des options entre guillemets qu'on voulait dessus, c'est-à-dire surtout au niveau de la couverture et au niveau de la qualité papier. Bref, tout ça pour vous dire qu'au final, on a eu un contact très intéressant avec un imprimeur qui est français, qui n'est pas très loin de chez moi, qui a été hyper professionnel, qui sont déjà spécialisés dans les livres, sont au fait de ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, et surtout, ils ont pu nous conseiller en fonction aussi des choses qu'on espérait ou qu'on voulait dans l'idéal, et puis il y a la réalité de se dire, bah, non, ça... ça va pas rendre comme vous l'espérez, etc. Donc en plus de ça, il travaille avec apparemment pas mal avec des auteurs en auto-édition. Et au-delà de ça, ils ont même pas mal d'expérience au niveau des financements participatifs, c'est-à-dire des auteurs en auto-édition qui ont lancé leur livre suite à un financement participatif de type Ulule. Donc super, on a très bien accroché, il a été de très bons conseils et surtout il nous a envoyé à Kay et à moi un colis avec les échantillons pour qu'on puisse mieux se rendre compte au toucher du papier, des options qui étaient possibles, de ce qu'on demandait, des pelliculages de la couverture, du nombre de feuilles, de l'épaisseur, de la tranche, etc., de tout ce que ça allait représenter en fait. Il nous a fait carrément un livre exemple. Alors c'est absolument génial parce que effectivement on a pu lever certaines inconnues et on a pu confirmer certains choix et infirmer d'autres où on n'était pas sûr, ou certains pour le coup on était sûr de notre coup, et au final on s'est dit ça va pas le faire. Je pense que quand on parle d'un livre illustré, en fait on se rend compte que vraiment il y a aussi des différences de rendu en fonction du papier, suivant que ce soit un livre illustré par illustration aquarelle ou par illustration numérique. Le rendu n'est pas du tout le même. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Plus la qualité du papier pour le texte. Puisque pour le coup, nous, on a du texte et de l'illustration. Couleur. Donc voilà. On s'est rendu compte aussi que la couverture qu'on voulait, c'est sûr que dans l'idéal, de toute façon, je pense que c'est toujours ça. Dans l'idéal, on veut toujours avoir une couverture...
Nous, on voulait un peu ça, en fait. C'est-à-dire en cartonner dedans et moelleux. Moelleux dessus. Fondant à l'intérieur et moelleux. Non, mais je sais pas si vous voyez. Ah, attendez. En fait, c'est une mousse. C'est-à-dire que là, c'est cartonné. On coule dessus. Et sur le dessus, ça fait cet aspect. Voilà, ça tombe mieux. Mousse. Avec la petite dorure. Ah ben, on la voit pas bien. C'est mon agenda, mais c'était un peu l'idéal. Surtout qu'en plus, on part sur un conte. Donc le conte, voilà, on voulait un peu l'aspect un peu grimoire. Voilà. Ce n'est pas possible. Clairement, ce n'est pas possible pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau de... Donc notre conte, c'est un conte en fait. Donc comme les contes que vous allez pouvoir trouver de Perrault ou autre, en général, un conte, ce n'est pas un roman. Donc c'est pas très long. Donc en fait, en fonction de la... du nombre de pages, bah, ça fait une épaisseur. Et l'épaisseur bah, va jouer sur la tranche. En fait, nous, au niveau du papier qu'il nous faut pour, nos pour l'intérieur du livre, bah, ça fait pas une épaisseur de dingue, quoi. Donc c'est pas possible. Et en plus de ça, ça a un coût énorme. Et ça, on passe vraiment... Enfin, juste le choix de la couverture peut augmenter de 3 fois le prix. Juste pour le fait du carton. Et ça augmente aussi le délai de fabrication, puisque en plus du délai de fabrication, enfin d'impression, il faut compter 6 à 10 jours ouvrés en plus pour la couverture carton. Donc ça, c'est un truc qu'on s'était dit, dans l'idéal, on voudrait, mais après, c'était pas l'impératif. Impératif. C'est-à-dire qu'en fait, il est hors de question que le prix du livre soit uniquement basé sur le fait de la couverture. Pour nous, le contenu est tout aussi, sinon plus, intéressant et important à mettre en valeur que juste la couverture. Par contre, on a pu, du coup, rajouter des options, entre guillemets, qu'on voulait. Et là, en fait, du fait d'avoir pu recevoir ben, et voir en vrai, et ben, ça nous a donné une meilleure idée de ce que ça rendrait. Je vais essayer de vous montrer. Alors déjà, au niveau de la couverture, on aimerait pouvoir avoir l'impression du titre en dorure et en dorure relief. Donc en fait, on a un échantillon des dorures possibles. Et à savoir en plus que ça aussi, c'est deux options différentes. C'est que soit ça va être une dorure à plat, soit ça va être un vernis avec un embossé, c'est-à-dire avec le relief. Mais c'est tout un délire, hein, l'imprimeur, je ne m'attendais pas à tout ça. Hein. Mais du coup, voilà ce qui est possible de faire. Ça rajoute quelque chose quand on n'est pas sur une couverture en cartonné. Le fait qu'il y ait quand même quelque chose de tactile, qui viennent chatoyer, même si c'est visuel, c'est tactile, c'est... Je sais pas si c'est le bon terme, mais bref. Et du coup, il nous a aussi envoyé des couvertures pour donc des petites, pour se rendre compte de ce que ça faisait. Les pelliculages, au niveau du toucher, puisqu'on peut avoir du mat, on peut avoir du brillant, on peut avoir du toucher velours... voilà. Et en fait, chacune a ses, enfin chaque pelliculage a ses avantages et a ses inconvénients. Alors il y en a que j'aimerais vous montrer, mais par exemple, ça, voilà le type de dorure qu'on aimerait pour la couverture, pour le titre en tout cas, et puis peut-être pour la quatrième de couverture aussi. Ensuite, au niveau du pelliculage, donc on est tombé, on est vraiment super raccord avec Kay. On arrive vraiment bien enfin, on a les mêmes avis. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on l'a reçu toutes les deux en même temps, notre colis, avec le même jour. On a reçu notre colis, donc on a pu le débriefer ensemble et tout. Donc, ça, c'était cool. Et surtout, tomber d'accord sur la même chose. Et ça, c'est hyper important parce que je pense qu'on a vraiment le même livre en tête. Donc c'est très important. Bref, on ne montre pas tout parce que bah, je ne voudrais pas trop non plus vous spoiler.
Et on a fait notre choix sur le papier. Et on attend juste une confirmation sur le pelliculage de la couverture. Mais surtout, on a pu se rendre compte du livre, du rendu en fonction de la taille qu'on avait demandé. Et du coup, on lui a redemandé un devis, puisqu'en fait, on le trouve trop petit. Il va falloir qu'on règle aussi une grande inconnue, c'est que au niveau du devis, ça varie beaucoup en fonction du nombre d'exemplaires qu'on demande. Ce qu'il y a de bien, c'est que cet imprimeur-là, il est OK pour travailler avec nous à partir d'un petit nombre d'impressions, parce qu'on ne peut pas non plus commander un volume de dingue. Et en fait, on a cet inconnu de la campagne de financement qui peut super bien marcher, comme elle peut ne pas marcher du tout. On est dans le flou total. On se dit, c'est l'été, est-ce que les gens vont avoir la tête au compte d'automne? Est-ce que, même si vous êtes déjà beaucoup à nous suivre sur Instagram et à nous témoigner de votre enthousiasme, à quel point vous avez hâte comme nous, mais du coup, la campagne de financement, on ne peut la faire que sur un temps restreint, et donc elle va sûrement se terminer en même temps que l'été, et que donc les vacances. Et du coup, on s'est dit, mais est-ce que c'est le bon moment dans l'année pour lancer une campagne de financement? Et à la fois, on ne sait pas. Et en fait, bon, on verra. On verra comment ça va se dérouler. Et puis, en tout cas, dans le meilleur des cas où la campagne de financement se passe super bien et où on a vraiment un gros volume, il suit. Mais c'est surtout, il nous suit même pour peu. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà. Donc ça, c'était un premier point. Je pense que je vous en montrerai plus dès qu'on aura vraiment fixé l'imprimeur. Enfin, qu'on sera sûr. Je pense que je vous montrerai de plus près ce que ça donne, les types de papier qu'on a choisis et tout ça. Je pense que ça peut être cool aussi pour vous de voir et puis de commencer à vous projeter sur le rendu final qu'aura le livre. En ce qui concerne la partie financement, ça m'a pris beaucoup de temps aussi ces derniers jours. Le financement participatif, c'est un peu la vitrine de notre livre. Même si c'est pas une boutique en ligne, parce que c'est clairement pas une boutique et c'est pas ni l'objectif ni le support. En tout cas, c'est la partie de démarrage du projet. C'est la partie en fait qui n'est vraiment pas à négliger, parce que c'est ce qui va servir à pouvoir faire que le projet prenne vraiment vie en faisant parler du projet et en pouvant en financer la plus grosse partie. En fait, quand on est parti dans l'idée de lancer le financement participatif, c'était déjà dans l'idée de pouvoir avancer les frais d'impression, puisqu'en fait, il faut savoir que l'imprimeur, on lui verse 50% à la commande et ensuite les 50% restants avant la livraison. Donc on ne peut clairement pas, en fonction du volume qu'on va lui commander, avancer forcément cet argent-là, surtout en partant de zéro comme nous. Et en plus de ça, on n'a aucune idée du nombre d'exemplaires de démarrage à lui commander. Donc on s'est dit qu'en passant comme ça, ça nous donnerait une petite idée déjà du nombre d'exemplaires. L'objectif de cette campagne, c'est de pouvoir déjà parler de notre livre, avoir une vitrine de présentation du projet et pas que du livre en soi, mais aussi avoir une idée du lectorat qu'on peut toucher, et puis réunir de quoi avancer les frais d'impression. En fait, au fur et à mesure que je travaille sur la campagne de financement, puisqu'il y a beaucoup de préparation derrière, il y a aussi d'autres aspects qui rentrent en compte, comme l'envoi, donc les frais de poste. Et donc pour ça, il faut savoir par exemple combien va peser le livre, savoir le contenant de l'emballage, et puis tout ce genre de petits détails qui vont être sur un peu la logistique de l'après. Mais il y a aussi toute une partie artistique et créative quand même, et là ça fait appel un peu à mes connaissances de mes métiers précédents. Où il va falloir le mettre en valeur, le livre, être concise dans notre présentation, pouvoir parler du livre et du projet, mais en même temps pas trop en dire, parce que le but c'est pas non plus de tout spoiler.
Et en plus de parler et de montrer un objet qu'on n'a pas encore dans les mains, puisque les illustrations ne sont pas finies, la mise en page du coup n'est pas finie, et le livre n'est pas imprimé. Donc en fait, on ne l'a pas dans les mains. Donc c'est pas comme si on pouvait dire, bah voilà, c'est ça le produit que vous aurez. Voilà. Mais ça fait partie du jeu. C'est quelque chose que je prends plaisir à faire, parce qu'en plus, pour moi, je trouve le concept d'une contribution par un financement participatif très fondé sur justement la bienveillance, la générosité et à la fois sur la confiance, autant en l'un qu'en l'autre, c'est-à-dire que ce soit pour nous qui portons le projet ou pour les personnes qui vont contribuer au projet. Je trouve qu'il y a une vraie relation de confiance et on n'a pas envie de décevoir, on n'a pas envie de non plus de se louper parce que ça va être le début de tout, entre guillemets. J'ai envie d'y croire et que vu le nombre de retours qu'on a, vu le nombre de messages quotidiens qu'on reçoit sur les personnes qui ont hâte de voir ce livre sortir, bah ça nous encourage et ça nous donne envie en tout cas de croire que ça va fonctionner, que ça va rouler et que ça ira. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire en fait sur le site d'Ulule, déjà on postule entre guillemets, on postule une première fois pour expliquer un peu le projet. En plus c'est très restreint, on n'a que 1000 caractères pour expliquer le projet. Donc il faut être quand même percutant, il faut être concis, mais il faut bien expliquer, parler de soi, parler du projet, parler des objectifs, de la campagne et tout ça. Donc c'était un exercice assez intéressant, mais assez compliqué. Et puis ensuite, c'est donc accepté ou pas. Et si c'est accepté, on va aller plus loin. On va du coup faire complètement la page de notre projet avec les visuels, avec les objectifs de financement à atteindre, avec la durée, avec les contreparties, en listant les pays où seront potentiellement livrées les contreparties, avec les frais de livraison, vraiment tout le projet. Et ensuite, on le soumet à une relecture encore. Et ensuite, si c'est validé ou pas. Et alors, le ou pas, je veux même pas savoir encore ce qui se passe. On va dire que tout va bien se passer et que ce sera OK. Mais du coup, ça met la pression parce qu'en gros... Ouais, ça met la pression parce que, en fait, avant même de convaincre des éventuels contributeurs, eh ben, il faut convaincre Ulule. Donc c'est une petite pression. Quoi qu'il en soit, là, pour l'instant, on en est encore à la phase 2. Donc la phase 2, donc la première phase, c'est bon, ça a été accepté, voilà. Et la phase 2, c'est tout le détail du projet. Donc j'essaie de faire des jolis visuels, il faut qu'on liste du coup les contreparties, parce qu'en fait, nous, dans notre tête, on n'a pas prévu que le livre, mais donc il y aurait d'autres produits que le livre, sur la même thématique, mais avec une autre visée que le livre, avec une visée un peu plus pédagogique, plus didactique, plus pédagogique, d'autres objets un peu sensoriels, etc. Bon, bref, ça, on en reparlera parce que, en fait, ça va dépendre de la campagne, en fait, de voir si ces objets vont pouvoir voir le jour. En fait, on s'est dit focus livre, priorité au livre en tous les cas, parce que les autres objets n'ont aucun sens sans le livre. Le but, c'est vraiment que le livre sorte. Et ça, on va faire en sorte que ce bébé y naisse coûte que coûte. Mais voilà, c'est beaucoup de travail, en fait, de préparation. Après, ça m'a fait du bien, en fait, de travailler sur sur Ulule, parce qu'en fait, je vous avais dit la dernière fois que j'étais vraiment dans le jus complet avec InDesign. Et en fait, comme j'arrivais à saturation complète, il fallait que je fasse autre chose. Ça m'a changé les idées, ça m'a remis certaines choses en perspective. Et du coup, même s'il y a une partie technique... pour créer des visuels, créer la présentation de la page projet. C'est quand même artistique aussi. Et ça m'a remis surtout en tête nos objectifs et notre projet. Et en fait, de redécrire à quelqu'un notre projet, bah, ça m'a remotivé en quelque sorte à me rebooster, à me dire, allez, tu vas trouver l'énergie de repartir et de retester et... Même te refoirer, c'est pas grave. Cette semaine, j'ai pris aussi des jours un peu off. Bah déjà, en début de semaine, je vous avais fait des stories. C'était trop mignon.
sur Instagram, je vous ai fait des stories, vous avez entendu que j'avais la voix qui avait pété. Mais je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, mais on a eu un petit virus qui a tourné entre les enfants et moi, et je me suis retrouvée avec une extinction de voix. Et j'ai passé des nuits horribles à tousser, du coup ben, j'étais fatiguée le matin, et ben, quand on a des enfants et qu'on est malade ou fatigué, malheureusement on ne peut pas passer la journée au lit à se requinquer, donc j'étais obligée de piocher et de puiser dans les dernières forces que j'avais, et donc j'ai coupé complètement le livre, j'ai dit là, stop. Donc j'ai pris 2 jours, j'ai beaucoup culpabilisé vis-à-vis de Kay aussi, parce que bah, elle était en train de travailler dessus, et je me suis dit bah là, mais en fait vraiment j'arrivais à saturation, il fallait que je coupe, donc j'ai coupé. Ça m'a fait du bien parce que j'ai repris un peu des forces, j'ai récupéré ma voix, donc du coup je peux reblablater. Résultat, 1h30 au téléphone avec Kay hier. Mais ça nous a fait du bien, et voilà, et en fait j'ai pu mûrir différemment ces problématiques que j'avais sur le livre. Donc en fait, c'est toujours du positif. De toute façon, je pense que quand on a des... Pour l'instant, on n'a aucun échec sur le livre. Le seul échec qu'il pourrait y avoir dans toutes ces aventures du livre, c'est que le livre ne voit jamais le jour. Mais vraiment jamais. Et qu'au final, ça me dissuade de faire même les autres qui sont prévus derrière. Ça, ce serait l'échec. Maintenant, on n'en est pas là. Pour moi, ce n'est pas des échecs là, que j'ai eus, c'est des obstacles. Bah, des fois les obstacles, on arrive à passer dessus, et puis des fois le seul chemin, hein, c'est de passer à côté. Donc voilà. Comme en plus on a eu un très bon contact avec l'imprimeur, il est de très bons conseils, donc il a pu nous conseiller aussi des alternatives, d'autres choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et là, on se rend compte que c'est quand même super important d'avoir un vrai accompagnement d'un professionnel. Je vais pas tarder parce qu'en fait, il y a le spectacle de l'école là. Donc, ouais, le spectacle de l'école, et Adam a son petit numéro surprise, on sait pas ce que c'est. Et donc il a répété et tout, donc c'est très important pour lui. Donc, en tout cas, moralement ça va mieux. Je sais que la semaine dernière le vlog était pas, pas très jojo, c'était pas très positif. En même temps c'est un peu l'aventure aussi. Bah, sinon qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, bah, les objectifs de la semaine du coup c'était, ils sont plus partiellement atteints. Les objectifs de la semaine et de la semaine dernière c'était d'avancer ce côté imprimeur. Donc en fait normalement au niveau de l'imprimeur on aura vraiment toutes les données définitives pour la fin de semaine, au pire début de semaine prochaine, et ensuite donc du coup ce sera statué et ça ne bougera plus. Ensuite pour le financement participatif, donc pour la campagne de financement sur Ulule, normalement on devrait, et je dis bien on devrait parce que je me réserve le droit de au cas où s'il y a un pépin de retarder de peut-être une semaine. Mais je pense que d'ici 10 jours, on devrait être bon pour le lancement de la campagne. Et donc là, faudrait y aller. Hein. Ceux qui soutiennent derrière, faudra être là. Faudra en parler, partager, et en parler, et en parler. Et au plus vous allez en parler autour de vous, et au plus ça nous aidera. Et voilà. Et au plus ça pourra faire vivre le projet, quoi. Ah oui, juste une petite chose. Du coup, vous avez vu sur Instagram qu'on a lancé à partir de dimanche. On a choisi le jour de mon anniversaire parce que quand même... c'est un jour important, je trouve, que vous devriez tous marquer d'une pierre blanche. Mais non, c'était parce qu'il fallait choisir une date et que ben, ce dimanche-là tombait très bien. On lance donc des nouveaux échanges de cartes de bienveillance. La thématique, on vous la dévoile dimanche, mais je pense que ça va vous plaire. Je peux vous dire que ça va durer sur juillet et août. Ça reste le principe des cartes de bienveillance. Donc, bah simplement, remettre au bout du jour le plaisir d'envoyer et de recevoir un courrier. Voilà. D'ouvrir sa boîte aux lettres et d'avoir quelque chose dedans. Et que ce soit fait en toute bienveillance, sans forcément attendre un retour énorme. Mais des échanges, de la correspondance... de se rapprocher alors qu'en fait on est peut-être toutes loin les uns des autres. Il y a beaucoup qui me disent oh, c'est dommage qu'on soit loin, j'aurais aimé qu'on se rencontre en vrai et tout. Très honnêtement, si un jour c'est possible, j'aimerais beaucoup, mais déjà je sens que grâce à ces échanges de cartes qu'on a mis en place déjà depuis Noël finalement, et ben ça nous rapproche un peu plus, parce que c'est bête, mais d'avoir quelque chose de palpable, bah, par exemple les petits coussins Pierre Lapin, je les ai reçus lors d'un colis complètement inattendu lors des échanges de bienveillance. Ça m'avait touchée au-delà des mots,
Et j'ai ça, c'est physique, c'est palpable, c'est voilà, j'ai quelque chose de cette personne adorable chez moi, dans mon intérieur, et que c'est plus qu'on va au-delà du virtuel, on va au-delà de l'écran, on va au-delà du blabla qu'on peut avoir juste derrière les écrans. C'est-à-dire que je pense que derrière les réseaux sociaux, il y a beaucoup de blabla, des ouais, je ferai, et puis en fait non. Et là, on passe sur du concret, et là, on passe sur la vraie bienveillance, celle où en fait, c'est bien de le dire, mais en fait, on va aller jusqu'à l'acte de bienveillance de, bah, c'est bête, hein, mais bon, d'acheter un timbre et de poster, bah, c'est déjà énorme, c'est prendre le temps pour juste la volonté de faire plaisir. Donc, voilà, je sais que c'est des échanges qui vous font beaucoup de bien, bah, sachez qu'à nous aussi, je vais essayer de m'investir encore plus dans celui-là, mais ça me fait tellement plaisir et tellement de bien aussi de voir vos échanges entre vous. Donc voilà, en tout cas, quand on va les lancer, n'hésitez pas à vous taguer les unes les autres en story, puis à nous taguer aussi parce qu'on aime voir aussi ce que vous envoyez, ça nous fait vraiment plaisir et ça fait vraiment chaud au cœur en fait. Ben, on va remettre encore au bout du jour le temps de cet été, donc sachez que ça durera juillet et août, le temps de l'été, ben, ce plaisir d'envoyer et de recevoir du courrier. Voilà, bon, bah, je pense que je vais arrêter là. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur le livre et même beaucoup de choses à vous montrer, puisqu'au niveau des illustrations, là, ça avance. En attendant, eh ben, on se retrouve sur Instagram. N'hésitez pas à m'écrire et je vous fais des gros bisous. Prenez bien, bien soin de vous. Faites attention à votre gorge, à votre voix. On est en été, mais il fait pas chaud. Et puis, bah, à très bientôt. Je vous fais des gros bisous.